Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. En ce moment, je suis un petit peu perdue. J'ai l'impression que les jours se suivent et se ressemblent. D'habitude, on dit plutôt l'inverse, mais là, voilà, c'est toujours un petit peu la même routine qui se fait sans trop de surprises. En même temps, en ce moment, les surprises, on l'a donné, hein, donc c'est bon, j'en veux plus. Alors, on est sur une petite journée d'automne. Aujourd'hui, il pleut depuis ce matin. Alors, il fait pas trop froid, mais voilà, on est petite journée un petit peu pluvieuse. Alors, il est 9h30, ça fait 1h30 que je suis rentrée, j'ai déjeuné, j'ai fait mes routines avaient été faites. Ce matin, j'ai eu la surprise de voir que Greg avait tout mis en hauteur, donc du coup, j'avais juste à lancer l'aspirateur et puis, semblant de rien, juste un tout petit truc nous fait gagner énormément de temps. Là, il y avait juste mis, vous voyez, toutes les chaises et tout en hauteur. Donc du coup, j'avais pas dû le faire, j'ai juste lancé l'aspirateur, pendant ce temps-là, je faisais autre chose, quoi, en fait. Donc, ouais, ça m'a fait gagner du temps. Bref, donc j'avais déjà fait mes routines. Donc quand je suis rentrée, j'étais faire mon lit, me restait mon linge à les ranger. J'ai déjeuné, j'ai fait un petit peu, enfin j'ai fait le ménage que je devais faire hier en haut, donc les poussières et laver les sols. Et du coup, là, j'ai fini pour mon ménage aujourd'hui et j'avais bien envie d'aller... Alors, il faut que je sorte parce qu'il faut que j'aille... on n'a pas encore été faire les courses cette semaine. Franchement, j'ai pas le courage d'aller les faire encore aujourd'hui. Mais il me faut un truc pour ce soir. Et si on n'a pas le temps d'y aller ce soir en rentrant, je vais être embêtée. Donc, du coup, je vais aller chercher de quoi pour le repas de ce soir. Et on verra, comme ça si on a le temps, voilà, au pire, un petit peu à la fois, les courses elles diminuent en fait, hein, parce que hier c'est pareil, en revenant d'avoir été voir maman, il me fallait du lait, j'étais chercher du lait, donc du coup il me fallait du lait et des mouchoirs, parce qu'ils en avaient plus, donc on est passé par un Lidl, un crochet en rentrant, et on a été chercher juste ça, donc ouais, il reste plus grand chose hein, au fur et à mesure, donc là je vais aller chercher, parce que ce soir je fais, je suis désolée, je m'embrouille en ce moment dans les paroles, j'essaie de trop d'informations qui veulent sortir en même temps de ma bouche. Ouais, en fait ce soir je fais un gratin de ravioles au saumon fumé et aux épinards. Donc il me manque les ravioles. Donc je pense que je vais passer à grand frais. Je vais aller chercher les ravioles. Je vais regarder ce qui me manque encore, les 2-3 trucs. Je vais aller faire 2-3 courses. Franchement, j'ai pas le courage de faire les grandes courses. Et après, je passerai en même temps chez BM. Je vais aller voir s'ils ont enfin mis la collection d'automne. Et peut-être que je passerai aussi à Jiffy. Parce qu'il paraît qu'ils ont une collection d'automne aussi qui est pas mal. Et la dernière fois, je suis passée, c'est quand? Ce week-end? On est passé avec Greg, je pense, avant d'aller voir maman pour voir justement si la collection de Automne Cozy avait été mise chez BM. Et ben, elle n'était pas encore mise et j'avais dit, ah bah tiens, je sais qu'à Jiffy. Et je suis passée à Jiffy et ils commençaient seulement à mettre. Vous voyez, les rayons étaient vides. Donc peut-être qu'en même temps, je passerai à Jiffy. En fait, j'ai envie de m'évader un petit peu de la maison. Donc ouais, je vais faire ça. Comme il est que 9h30, j'ai le temps. Les garçons finissent à 13h. Ce midi, c'est des croques au saumon fumé. Je vais même en profiter. Je vais sortir le saumon. Alors en fait, la dernière fois, il me restait du saumon que j'avais mis. Alors j'avais vérifié, hein, bien sûr, que c'était pas un saumon congelé. Mais j'avais mis au congélateur pour éviter de le gaspiller. Je vais peut-être pas faire ça. Parce que j'étais en train de me dire, ce soir, tu fais déjà du saumon. Ravioles au saumon. Donc ça va faire saumon. Donc je pense qu'on les mangera demain. Et aujourd'hui je vais plutôt faire autre chose. Je vais regarder à grand frais. J'avais prévu, en fait je voulais acheter des raviolis un petit peu spécial à grand frais. La dernière fois j'avais vu une sauce à base de potiron et romarin. Et je me suis dit, ah, je pourrais peut-être essayer ça quand, enfin pas quand les enfants sont là, parce que alors ce midi il y a Angel, au pire hein, mais il mettra pas, lui ça lui dérange pas de manger les pâtes blanches, au contraire, il adore ça, il met des pâtes avec du gruyère et un morceau de beurre. Donc ouais, je vais peut-être plutôt faire ça ce midi. Je voulais la goûter sans les enfants parce que je me suis dit si ça a un trop fort goût ils vont pas le manger. En fait je profite le midi, quand je vous l'ai déjà dit hein, quand les enfants ne sont pas là, de manger des choses que moi et Greg on risque d'aimer mais que eux ils n'aiment pas, ou ils risquent de ne pas aimer. Allez, bon, on va aller se balader sous cette belle journée d'automne. On va aller un peu s'aérer l'esprit. La tête. Bon, il y avait quelqu'un qui s'était garé devant la maison. Je pense que ça devait être un livreur. Mais bon, c'était pas pour moi.
Donc Marley aboie. Voilà, je me suis mis un petit gilet. Enfin, un petit gilet. En fait, c'est un gilet, je vais vous montrer. Je sais que vous aimez bien de temps en temps que je vous montre mes tenues. C'est un gilet que j'avais acheté l'année dernière chez Shein. Je l'avais pas payé super cher. Il est assez épais, il est long. Mais il fait plus. Alors, dans la maison. Il est trop chaud en fait. Alors c'est bien quand il fait très froid à l'hiver ou quoi, ou quand vous avez envie d'un truc un peu, vous voyez, pour vous emmitoufler. Mais là en cette saison, je le mets plus en veste. Je trouve qu'il est parfait quand il fait un petit temps comme ça. Là il fait pas très froid, mais on a besoin quand même d'un petit gilet. Il fait encore trop chaud, on va dire, pour mettre un manteau. Et puis bon, je suis en voiture, donc les trois petites gouttes, c'est pas trop grave quoi. Et ouais, je trouve que il va bien, je l'aime bien le gilet. J'ai mis un jean, j'ai ressorti les petites boots, et j'ai sorti aussi les petits sacs marrons. J'ai une petite blouse de chez, alors c'est Kiabi, je l'avais acheté cet été, c'est une en, comment on appelle ça, en plumetis je pense. Vous voyez, ça fait des petits, je sais pas si vous allez bien voir, ça fait des petits points en fait dedans. Elle est toute légère, c'est un peu comme du gaz de coton. Donc le gilet long, je vais vous montrer en bas, un petit sac que j'avais acheté je pense chez Primark, qui est très pratique. Et puis un jean, je sais plus où, enfin c'est un jean lambda. Et puis mes petites boots, c'est les petites boots, c'est un peu la couleur de mon sac, je vous montre plus loin. Alors, le petit sac, le jean, je vais essayer de vous montrer les boots, hop, voilà, avec une petite liserée couleur or, là. Ouais, voilà, petite tenue un petit peu automnale. Voilà, en ce moment, j'ai beaucoup de mal, c'est avec les hauts, parce qu'il fait trop chaud dans les maisons, il fait lourd, il fait trop chaud pour sortir les pulls et tout. Mais en même temps, il fait trop froid pour mettre encore les petits hauts d'été, quoi, en fait. Hop, faut pas que j'oublie mon téléphone au cas où. J'ai les papiers de la voiture. Je vais mettre mes lunettes. Parce que j'ai vu qu'en ce moment, ma vue, c'était vraiment pas ça. Je pense que j'ai dû baisser un petit peu. Jusqu'à maintenant, j'arrive à me passer de mes lunettes dans la maison. Mais il y a des moments, par exemple, quand je regarde la télé de loin. Alors, il faudrait que je les mette. Hein. Après, comme je vous ai dit, j'aimerais bien faire une adaptation lentille. J'avais fait une adaptation l'année dernière quand j'ai eu mes lunettes, mais à l'ophtalmo, pas chez l'oculiste en fait. Et je sais pas, je voyais pas bien avec mes lentilles, je sais pas si elles étaient pas adaptées ou quoi, enfin il y avait un truc. En fait, pour bien voir de loin, il fallait que je mette en plus mes lunettes quoi en fait. Donc je voyais pas l'intérêt, donc j'avais... J'avais arrêté de les mettre quoi en fait, enfin j'avais fait juste l'adaptation, j'avais dit ça sert à rien si je dois mettre les deux. J'essaierai de le faire plus tôt quand j'irai refaire mes lunettes. Je pense que c'est l'année prochaine que je vais les refaire parce que je les ai fait l'année dernière, tous les deux ans. À part si votre vue elle baisse. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est pas qu'elle baisse, hein, c'est que je me rends compte maintenant que voilà, les lunettes sont peut-être quand même utiles. En fait, jusqu'à maintenant, j'avais juste de loin et de près, je vois très bien, j'arrive à lire sans lunettes et tout. Hein. Mais dans la maison, comme j'ai pas besoin de voir de loin, bah j'en avais pas l'utilité. Alors qu'à l'extérieur, je les mets tout le temps, quoi, en fait. Quand je sors, quand je conduis, je les mets tout le temps. Mais c'est vrai que là, je me dis dans la maison, par exemple, quand je regarde la télé... Bon, allez, on y va. On va les faire. Je vais essayer de vous emmener un petit peu avec moi. Je vais essayer. Voilà, je vous promets rien. Je suis un peu deg, j'étais à ma boue. Ils ont strictement rien reçu de plus que ce que j'avais vu la dernière fois. Alors, je suis passée en caisse et j'ai demandé. Parce que j'ai trouvé quand même un petit truc, je vais vous montrer. Je suis passée en caisse, j'ai demandé quand même à la vendeuse s'ils allaient recevoir. Elle avait l'air de pas trop savoir de quoi je parlais. Je lui ai dit les tasses, enfin voilà, les choses comme ça. Elle me dit qu'elle devait avoir une livraison aujourd'hui, demain et après-demain. Donc s'ils ont quelque chose, ce sera plus en fin de semaine, voire début de semaine prochaine. Donc j'essaierai de repasser ou je vais essayer d'aller voir un autre BM quoi en fait. Parce que ouais, je suis deg. Moi je vais aller faire mon petit tour à Jiffy. Mais bon, j'ai trouvé, au cas où vous en cherchez aussi, moi ça faisait un moment que j'en cherchais, des boules de laine pour mettre dans le sèche-linge. Vous voyez, ça fait des boules comme ça. Je ne les ai pas payées cher, j'ai payé moins de 3 euros, 2,99 euros, quelque chose comme ça. En fait, ça permet à l'air chaud de mieux circuler et de réduire le temps de séchage jusqu'à 20%. Élimine l'électricité statique du linge pour des vêtements plus doux et plus souples. Donc c'est naturel. Homme, c'est des balles de séchage en laine. En fait, il suffit de les mettre dans le tambour. C'est tout. Et pas mettre d'assoupli. Enfin, on peut aussi mettre quelques gouttes de parfum, ou d'huile essentielle ou quoi sur les boules pour parfumer un tout petit peu le linge aussi. Donc voilà.
Donc je vais tester ça, je vous dirai. Mais moi, c'est un moment que j'en cherchais. Puis bah, souvent, j'en trouvais, mais c'était des en plastique. Là, c'est vraiment des en naturel, quoi, en fait, en laine, en feutre. Bon, allez, on va faire son petit tour à Jiffy. On va voir, on va croiser les doigts pour que là, ils ont mis un petit peu de déco. Bredouille, rien du tout. Ils sont seulement en train de mettre Halloween. Et au niveau automne, il y a juste une petite tête de gondole. Mais ce qu'il y a dessus, ça m'intéresse pas, quoi, en fait. Donc, ouais, il n'y a rien non plus. Bon, ça me fait économiser des sous, tout ça, mais bon. Bref, bah, je pense que je vais aller faire mes cours. Je suis à côté d'un Auchan. Je vais regarder ma liste, je l'avais pris. Pour vérifier qu'il me manquait rien pour ce soir et demain, et en fait il me faut pas grand chose, donc je pense que je vais y aller vite fait, comme ça ça sera fait, et puis on n'en parle plus. Voilà, juste la boucherie qu'il faudra aller, mais il me manque vraiment pas beaucoup, hein. Un, deux, ouais, une dizaine d'articles, quoi, en fait, et encore. Allez, go, prends son courage à demain. Ce qui est fait ne sera plus à faire. Je suis rentrée. Alors, j'ai pris mon temps. J'étais toute seule pour faire les courses. Donc, du coup, j'ai fait le tour des rayons. J'ai regardé un petit peu les nouveautés, etc. Même si j'achète pas forcément, mais j'aime bien regarder. Marley. Chut. Greg ne va sûrement pas tarder. Du coup, pour ce midi, j'ai pris des baguettes. Alors, c'est des baguettes d'Auchan, donc elles sont pas top, mais bon. J'ai pris des baguettes et j'ai pris... Alors, Greg aime bien la rillette de canard et le pâté de canard, celui avec du poivre, en fait, au-dessus. Donc, du coup, j'ai pris ça pour ce midi. J'ai pris des ravioles du Dauphiné pour le gratin de ce soir. Un saucisson sec pour Stacy qui m'en réclame à chaque fois. C'est une fanade saucisson sec. Et justement, en parlant de saucisson sec, je vais vous montrer, j'ai trouvé des chips au saucisson sec. Je l'ai pris pour goûter. Du yaourt grec. J'ai pris des bonbons pour Greg. Hop, moi je me suis pris de la chicorée liquide. En ce moment j'ai envie de boisson un peu plus cocooning et tout. Et j'avais envie de... En fait ça me fait penser à ma grand-mère. Et encore nous c'était pas ça, c'était du riz coré. Qu'on prenait en fait le midi. On prenait un riz coré avec du lait dedans. Voilà. Et ça fait penser aux vacances avec ma grand-mère. Et du coup, il y a ce côté un peu cocooning que j'aime bien. Et puis en ce moment, ouais, j'ai plus trop envie de café noir. J'ai envie de boissons un peu plus, ouais, confort, quoi, en fait. J'ai pris de la crème. J'ai repris du beurre. Je vous montre, j'ai le temps. Donc, alors, c'est style Saint-Paulin. C'est un des fromages préférés à Stacy. Pour moi, je me suis pris du chocolat noir. Une de vous m'a parlé dans une vidéo. Prends un petit carré de chocolat, tu vas voir, ça va passer. C'est pour le magnésium, en fait. J'ai pris du chocolat noir pour les gâteaux. Puisque j'ai utilisé mon reste de plaque pour les muffins pain aux bananes. Fromage en tranche. Du beurre cristaux de sel. J'ai pris un peu de fromage. Mais quand je vois les prix à Auchan, franchement, je me dis... C'est aussi cher que, enfin voilà, grand frais, le fromage est cher, mais là-bas c'était vraiment, il n'y avait pas de morceau en moins de 5-6 euros, quoi, en fait. Hein. J'ai pris un fromage Gouda vieux, et j'ai pris, c'est un pavé d'Isigny, ouais, je sais pas si... J'ai repris des raisins secs, des figues aussi pour mon kéfir. J'ai pris un saucisson à l'ail, je sais qu'ils aiment bien. J'ai repris aussi des amandes parce que j'en avais plus. Ça, c'est ce que je vous disais, donc c'est le crémeux de canard et les rillettes de canard pour ce midi. Un brocoli. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, ils mettent le brocoli dans le plastique? Alors moi, je prends pas forcément les sacs quand... En fait, vous voyez, j'écris... Je prends l'étiquette et je mets directement dessus parce que j'en ai pas besoin des sacs craft, quoi, en fait. Mais voilà, là il n'y avait pas. Donc j'ai pris quelques céleri branches, j'ai pris des radis, alors je vous montre pas, hein, des pommes. Stacy m'a demandé un jus, alors j'ai pris celui-là, Tropicana. En ce moment elle a sa folie jus, j'aime pas trop quand ils boivent ça, mais bon. J'ai pris un avocat. Pareil pour les champignons, il n'y avait pas en vrac, donc du coup j'ai pris comme ça. J'ai pris un cube de levure. Ici, c'est quoi? Des poires, des pommes, des citrons non traités. Je vais aller vous chercher du lait parce que j'en avais plus. Ça, c'est le paquet de chips au saucisson sec. J'ai repris, vous voyez, quand je vous dis que je prends pas forcément les... des bananes, donc j'en ai pris deux. Poivrons, un vert et un rouge. Et j'ai repris aussi de la farine. Par contre, les sacs sont plus petits que ceux de grand frais. C'est pour faire mes pâtes.
J'ai repris beaucoup de bananes parce que là j'en avais plus. Et ensuite j'ai pris des figues et du raisin. Ça par contre j'ai pris un sac craft parce que je me voyais mal. Voilà. Donc sac craft, raisin, muscat. Et là c'est des figues. Il y avait des belles grosses figues. Du coup j'en ai pris un petit peu. Et après c'est du lait et puis les trois petites boules là en feutrine que j'ai achetées. Pour mettre dans mon sèche-linge. Je verrai, je vous dirai, je vous donnerai des nouvelles. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pris. Il me fallait juste du frais en fait. C'est pour ça que je vais à grand frais d'habitude. Mais là, enfin, c'était sur la route. Je me suis dit, bon allez, vas-y. Je sais pas si ce soir à quelle heure on va rentrer. Parce que souvent quand on va voir maman, quand on dépose papa, on le dépose pas et on s'en va. Quoi, en fait, on reste un petit peu. Donc forcément, ça traînaille un petit peu sur le soir. Et puis après, quand on voit l'heure, il est 6h. J'ai pas envie de faire les courses à 6h. C'est faut faire le repas. Faut, voilà. Donc je pense que voilà les garçons. Pile poil pour me donner un coup de main. Ça va pas les enchanter. On a fini de manger. On va du coup voir maman. Enfin, Greg va me déposer parce qu'il y a réunion à 3h. Et puis après, il fallait récupérer Stécie à 4h. Il viendra me rechercher après. Allez, à tout à l'heure. On est rentré. Du coup, on a été voir maman. Et puis. On a été chez papa, quoi, en fait, comme d'hab. Et on est passé aussi vite fait à Leclerc parce que il fallait du Ravine Sarah. Greg a attrapé la crève, donc... voilà, et la bouteille de Ravine Sarah qu'on avait à la maison, ils me l'ont laissé là, mais il n'y a plus grand-chose dedans. Greg m'a dit qu'il n'y en avait plus. Stécie avait un rhume la dernière fois, mais il faudrait essayer d'enlever le compte-gouttes parce qu'on dirait qu'il y a quelques petites gouttes dedans encore. Ouais, il faut secouer à mort, des fois j'arrive... Et ouais, il y a deux moments, c'est le compte-gouttes quand il n'y en a plus assez. Alors, c'est Marine qui a fait à manger ce soir les ravioles, le gratin de ravioles. Je lui ai mis la recette. C'est une recette que je vous ai déjà partagée. Je vous la mettrai en barre d'infos. Elle est sur le blog. Donc, en fait, c'est des ravioles du Dauphiné avec du saumon fumé et des épinards et de la béchamel et du fromage râpé sur le dessus. J'ai très mal à la tête. Alors... Pour maman, on a commencé à avoir des petites nouvelles. Alors déjà, ils ont enlevé sa perf, donc du coup, elle est libérée d'un truc. Ils sont encore en train de faire quelques petits examens. Ils veulent être sûrs que tout va bien, mais logiquement, peut-être qu'elle serait sortante. Si tout va bien, si ça continue dans cette lancée, mardi prochain. Donc, bon, elle serait restée quand même 3 semaines à l'hôpital, quoi. Mais voilà, donc du coup, c'est cool. Elle a hâte, là. Alors comme là, quand elle pensait milieu de semaine... Là, prêt à aller, c'est dit peut-être fin de semaine. Bon, là, c'est sûr, ça serait début de semaine prochaine. Mais voilà, ils veulent vérifier quelques petits trucs avant. Et puis, ils doivent enlever parce que là, comme c'était au niveau des reins, je vous avais dit, il y a un truc au niveau du... Il y a une sonde, en fait, qui a été mise. Et ils veulent voir en l'enlevant s'il n'y a pas de répercussions ensuite, quoi, en fait, voir que tout va bien après et tout. Donc, ils préfèrent encore la garder un tout petit peu. Mais voilà, au moins, elle sait, elle est fixée, elle sait que sa sortie, c'est pour bientôt, au moins. Hein ? Bon, après, elle aura un autre suivi, hein, parce qu'on a déjà un rendez-vous à l'urologue la semaine prochaine. Et lundi, elle doit faire aussi un neuroscan pour voir justement au niveau du rein et tout si tout se passe bien. Donc si logiquement tout se passe bien jusque là, mardi elle serait sortante. Ouf. Parce que comme je lui ai dit, hein, bon après je le fais voilà, avec plaisir, je vais lui... Mais tous les après-midi en fait je suis à l'hôpital, donc forcément ça prend énormément de temps sur l'organisation à la maison, etc., etc. Bon allez, je vais aller m'installer à côté de Greg un petit peu. J'ai pris un cachet pour ma tête parce que j'ai très très mal à la tête. Thank you.
jeudi aujourd'hui. Hier soir, j'ai été dormir super tôt. J'avais très mal à la tête, hein, je vous l'ai dit. Et du coup, à 8h30, j'étais au lit. J'ai lu un petit peu. 20h, je commençais à l'appel du sommeil qui est arrivé, vous voyez, je commençais à piquer du nez sur mon bouquin. Et du coup, je me suis dit, vas-y, prends le train tout de suite, parce que si tu attends... Alors moi, souvent, j'associe mon sommeil au train. Comme si que le train arrivait, et si je le prends pas, je suis obligée d'attendre le prochain, quoi, en fait. Si je monte pas là, quand il se pointe, c'est sûr qu'après, je galère à retrouver le sommeil, j'y arrive pas, et je suis obligée d'attendre une heure ou deux, si c'est pas plus, il y a des moments, pour que l'autre vague arrive de sommeil, pour pouvoir m'endormir. Autrement, si c'est ça, si j'attends... Je me retourne dans le lit et c'est une horreur, quoi, en fait. Donc maintenant, je le sais, dès que je sens que pouf, hop, on éteint tout et on dort, même s'il est tôt. C'est pas grave, c'est que le corps en a besoin, on l'écoute. Donc ouais, j'ai dormi super tôt et ce matin, je me suis réveillée et j'étais en forme, mon mal de tête était passé. Alors là, il faut que je finisse mon bouquin parce qu'il me reste vraiment plus grand chose. Je l'ai lu ce matin un peu au réveil. En fait, comme je me lève un peu tôt et que j'ai un peu de temps, avant j'avais tendance à prendre mon téléphone et checker mes mails ou les choses comme ça. Maintenant ce que je fais, c'est que je prends mon bouquin et je lis un peu. Et ensuite je descends. J'ai l'impression du coup de prendre la matinée plus relax, pas tout de suite être dans la tête, dans le travail, quoi, en fait. Donc voilà, ouais, ce matin j'étais sur un passage qui m'a fait pleurer, donc je me suis réveillée et j'ai pleuré. Et là je suis à la fin du livre, je l'ai posé après parce que je me suis dit, vas-y, il reste plus grand chose, mais il faut que tu attaques ta journée. Là il me reste plus grand chose et je voudrais le finir pour pouvoir aller l'échanger, parce que vraiment je vais me retrouver sans livre ce soir et il me reste vraiment que quelques pages, quoi, en fait. Donc ça, ce matin, je vais faire ça. Je vais répondre à vos coms. Ensuite, je vais sûrement aller jusqu'à la bibliothèque. Il faut que j'aille à la boucherie aussi chercher de la viande hachée pour demain. Parce que demain, je fais une bolo et je voudrais la préparer demain matin. Et je ne sais pas si cet après-midi, on aura le temps d'y aller. Donc voilà, ça va être le programme de ce matin. Ce début d'après-midi ou tout à l'heure quand je vais rentrer, je vais préparer le repas pour ce soir. C'est un plat que je fais à la mijoteuse. C'est un rôti de porc au sésame. Je vous montrerai, c'est une recette hyper méga simple. Je vais faire ça avec du brocoli et du riz. Donc je vais laisser les enfants s'occuper du riz, ça avec le rice cooker, donc ça va super vite. Le rôti va mijoter tranquillement et les brocolis, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire cuire. Comme ça, il y aura juste à les faire réchauffer ce soir. Voilà, comme ça évite de rentrer. Même si on rentre un peu tard, et ben c'est pas grave. Alors même si je pense que ce soir on devra rentrer un peu moins tard, c'est si fini à... Peut-être, alors soit 5h, elle m'a dit, ou soit 18h. Mais si elle finit à 18h, je partirai avant. J'irai avec Greg chercher Stacy et on rentrera. De l'hôpital, quoi, en fait. Bon, après l'hôpital, 6h30, ils ont leur repas. Donc après la soirée, elle passe vite, quoi, en fait. C'est l'après-midi qui est longue. C'est ce qu'elle dit, hein. Même le matin, ça va relativement vite parce qu'il y a plein de... Entre les visites des médecins, hein, des infirmiers, etc. Alors même si maintenant, ça devient un petit peu plus long parce qu'elle est... elle devient de plus en plus autonome puisqu'elle remarche et tout. Donc du coup, elle va à la salle de bain tout seule. Elle n'a plus besoin d'eux, quoi, en fait. Donc du coup, et puis là, elle est... elle a plus de perf. Alors elle a encore le truc qui... Non, mais non, même pas. Ils l'ont enlevé parce qu'il était bouché hier. Donc elle l'a plus, donc elle est plus superf, donc à part les petites prises de sang de contrôle qu'ils vont faire de temps en temps, mais voilà, donc forcément ils viennent moins, quoi, en fait, ils vont moins venir. Bref, allez, on y va. Je fais quoi d'abord? Je lis ou je bosse? La raison me dit de bosser d'abord, hein. Priorité au travail et ensuite le loisir. You were too tired to walk the line. I said, then hold up, precious. I can be a goldsmith and you a nomad or a tailor, and we don't have to follow. Be true.
Je l'ai lu vite quand même. Hein. J'ai commencé, ouais. J'ai commencé samedi. Samedi soir. Et ouais, il s'est vite lu. Bon, après, il n'y a pas énormément de pages. Hein. 330 pages, on va dire. Ouais, 325. Mais ouais, il était bien. Il m'a fait pleurer à la fin. Ouais. mais il finit bien. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en fait, Agnès Martin Lugan, à chaque fois, elle explique qu'elle lit ses livres en... Enfin, qu'elle écrit ses livres en musique. Et en fait, à chaque fois, à la fin de ses bouquins, elle nous partage sa playlist. Donc, du coup, on peut la retrouver sur Deezer ou sur Spotify ou quoi, en fait. C'est Nos Résiliences, le titre du livre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'écouter pour voir ce que ça donne. Hop. Non, pas maintenant. parce que là, de toute façon, je vais pas pouvoir aller échanger maintenant. Il est 11h40, donc il est trop tard pour aller à la bibliothèque. Elle ferme à midi. J'irai tout à l'heure. J'essaierai d'y aller à 13h30 tout à l'heure. Je sais qu'elle ouvre à 13h30 pour avoir un livre pour ce soir, parce qu'autrement, je risque de tourner en rond ce soir. Puis j'essaie de mettre un petit peu mon téléphone de côté, comme je vous ai dit, le matin et le soir. J'ai l'impression que ça me fait du bien. Je trouve le sommeil plus facilement, et puis le matin, j'ai l'impression de commencer la journée sans être tout de suite, vous voyez, happée par le travail et tout, parce que souvent ce que je fais le matin, c'est que je regarde mes mails ou je regarde vos coms ou voilà, je regarde si ma vidéo est bien en ligne, vous voyez, la première pensée c'est pour le travail. Là du coup je prends, voilà, un peu de recul là-dessus. Bref, donc je vais écouter ça, et puis je vais retourner sur le PC. Je vais continuer à aller bosser. Je vais regarder justement pour vous faire le réel du livre. Alors je le ferai peut-être pas aujourd'hui parce que j'aurai pas le temps, mais j'essaierai de le faire ce week-end pour ça. Et puis je vais aussi aller préparer le repas pour ce soir. Comme ça sera fait aussi. Saumon en fait ce midi. J'ai juste, alors j'aime pas filmer avec mes lunettes parce que vous voyez le reflet à l'intérieur, pourtant c'est des anti-reflets, je comprends pas. J'ai juste pris du fromage frais, vous voyez, ail et fines herbes. J'ai tartiné sur des tartines sur du pain au levain maison, tranche de saumon, j'ai fermé, j'ai fait griller. Voilà, on a mangé ça avec une petite salade avec des betteraves que j'avais pris chez papa la dernière fois. Il m'avait demandé en même temps de lui en faire cuire. Là, je vais laisser Greg. Il y a des petits trucs à faire, à travailler un petit peu sur le PC. Moi, je vais aller du coup échanger mon livre. Je vais aller en chercher un autre et je vais passer du coup à la boucherie. Je vais aller chercher la viande hachée pour ma bolo demain. Ça y est, je suis à la bibliothèque. Je me suis pris un livre. En fait, j'en avais pris un autre de d'Acosta en premier, mais c'était un tome 2. Et j'ai pas lu le tome 1, je m'en suis aperçue quand j'étais dans la voiture, donc du coup j'ai fait demi-tour. Donc j'ai téléchangé. J'ai pris un de Laure Manel, Les Dominos de la vie. Alors c'est une.
Amélie, architecte d'intérieur, mariée à son amour de lycée et heureusement d'un petit garçon, vient de remporter une épreuve médicale. Elle est guérie. Après le soulagement et la joie, vient le temps des questionnements. Animée par une formidable appétit de vivre, Amélie trouve soudain son existence fade. Et pourquoi, alors que tout va pour le mieux, se sent-elle si mal? Bien décidée à embraser pleinement cette deuxième vie et ne plus laisser la raison, la peur et les doutes la gouverner, la jeune femme ose partir en quête d'elle-même. De petits et de grands changements, trouvera-t-elle le bonheur auquel elle tend? Voilà, on verra. Voilà, je vous en dirai plus quand j'aurai continué, enfin commencé à le lire. Bon, allez, là, je vais chercher ma viande hachée. Je vois que j'ai un message de Cécile, je vais lui répondre. Bah, on est rentrés. On a été voir maman, du coup. Ça va de mieux en mieux. Là, ça y est, elle est libérée de tout. Elle est plus accrochée. Donc, elle est plus libre de ses mouvements. C'est cool. Du coup, bah, ça lui met un peu de... Et là, ils disent que sa prise de sang, voilà, ça continue à aller bien. Et puis, là, elle avait fait une échographie au niveau de la vessie pour voir si ça se passait bien à ce niveau-là. Et là, on attend juste, donc ils doivent la garder encore là pour voir pendant 48 heures, parce qu'ils ont enlevé la sonde. Ils doivent voir aussi, il y a un scanner, non, un IRM. Un IRM, c'est un IRM ou c'est un scanner? Mais au niveau... Un uroscanner. Ouais, c'est ça. C'est un uroscanner qu'elle doit faire lundi. Et après, logiquement, voilà. Si tout se passe bien, ben, mardi, elle est à la maison. Enfin, à la maison. À sa maison. Bon, alors, j'ai fait cuire le riz. J'ai juste rajouté un petit peu de maïzena dans mon rôti de porc. Alors, le rôti de porc, c'est vrai que je ne vous ai pas partagé la recette, mais c'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. Donc, je vous la mettrai en lien en barre d'infos. C'est super simple, c'est le genre de recette que j'aime. Vous mettez votre viande dans la mijoteuse, vous rajoutez, vous mélangez tous les ingrédients et vous avez une... vous pouvez entendre, on a le rhume à la maison. Greg est malade. Par contre, tu gardes tes microbes, hein. Ouais, donc je disais, en fait, vous mélangez tout le reste des ingrédients, vous mettez tout dans la mijoteuse, c'est la mijoteuse qui fait le travail, et quand vous rentrez, ben, c'est déjà cuit. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, si ça vous intéresse. Ouais, là, moi, je vais m'installer un petit peu, j'ai encore une fois mal à la tête ce soir. T'es malade. T'es malade, moi, j'ai mal à ma tête. Bah, toi aussi. Toi, c'est ton nez. Moi, je suis malade. Oh, ouais, mais un homme malade, c'est vrai que c'est pire. Hein. Oh, pff. Hein? Je vous montre ce que ça donne du coup, le rôti. Alors ce qui est bien, c'est que le rôti de porc, souvent c'est un peu sec à la mijoteuse, en fait, voilà, c'est tout tendre. Pas besoin de couteau pour couper. Donc avec la petite sauce, j'ai juste épaissi un petit peu avec la maïzena comme je vous ai dit. Allez, on va manger, je vais vous laisser là, je vais vous faire des bisous, je vous souhaite un très très bon week-end puisqu'on est vendredi pour vous. Et je vous dis à lundi, il paraît qu'il va faire beau ce week-end. On croise les doigts, hein. Qu'on profite un petit peu, encore. Allez, bisous à lundi.